Ça va et toi? Parler à découper, mais quand on trouve des sur la publication, et surtout en priorité sur le monde. Ouais, excusez-moi tout le monde, les camarades. On va se déplacer à Wagram doucement, en groupe. Je suis juste par là-bas, s'il vous plaît, voyez mon doigt. On va faire Wagram doucement, on va se grouper. Merci beaucoup, les camarades. Mais bien sûr, j'avais une idée américaine. Ah, c'est sûrement un plage. Non, mais c'est une des phrases qui revient souvent. Non, athée, athée, presse et Reuters, si jamais ils vont du mal quelque part, du coup, TNT, tu vas. Il y a quand même des nuances politiques. Pascal est beaucoup plus pointillé. Et c'est important parce qu'en fait, déjà, on est pour la paix dans le monde et ce qui se passe en Palestine, il faut arrêter de fermer les yeux. C'est clairement un génocide qui est en train de se passer. Et aussi, c'est important aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce qu'on est en train de justement montrer qu'il n'y a pas d'amalgame et qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les Juifs et le gouvernement israélien, parce que c'est deux choses différentes. Et on est là aujourd'hui pour tous prouver que pour la cause palestinienne et que même aussi les civils palestiniens et les civils israéliens, bah, toute leur voix, elle compte, toute leur vie, elle compte. Il n'y en a pas une qui vaut moins qu'une autre. Je pense qu'on va retrouver avec des gens. J'ai pas entendu, pardon. C'est quoi le problème avec ce gars-là? Ben, le problème, c'est qu'on encourage encore le gouvernement israélien. Donc on leur montre qu'on les soutient alors que c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est la venue surtout du premier ministre d'extrême droite israélien, Bezalel Smotrich, qui a un discours vraiment très extrémiste et contre le peuple palestinien. Et on pense que c'est inadmissible d'avoir ce genre de discours de haine, de propager la haine. Et nous, on est vraiment ici pour porter un message de paix, qu'on aimerait que tous les peuples s'unissent et vraiment arrêter ce massacre, etc. Et pouvoir avoir vraiment de la paix et être consciente et porter la voix que nous, on est consciente de ce qui se passe dans le monde et en Palestine. On en veut pas. Immédiat, les racistes, on n'en veut pas. Cessez-le.
On n'en veut pas, Patrice, fasciste, 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 on n'en veut pas. Libérer les otages, libérer les otages, libérer les otages, libérer les otages, libérer. Parce que c'est insensé qu'il vienne là avec le projet fasciste qu'il porte. Et donc, on est mobilisés pour dire notre volonté d'un cessez-le-feu, notre colère vis-à-vis d'un gouvernement qui écrase aujourd'hui les Palestiniens et aussi notre volonté de paix dans la région. Il faut que, enfin, la justice puisse avoir lieu et donc la reconnaissance des droits des Palestiniens, que le massacre génocidaire qui a lieu aujourd'hui s'arrête. Monsieur Smotrich, par définition, est un agent de cette histoire tragique, absolument tragique et révoltante. Donc on est là pour dire qu'il n'est pas le bien de vue dans notre République. Et que le gouvernement aussi doit être très ferme à son égard et à l'égard d'Israël. On est en vie dans cette situation complètement folle avec ce gouvernement qui est beaucoup plus ferme à l'endroit de celles et ceux qui défendent les droits humains que vis-à-vis de celles et ceux qui écrasent les droits humains. Donc oui, ça, j'avoue que c'est assez insupportable. C'est assez insupportable et qu'on on aurait intérêt à ne pas s'habituer à avoir ce deux poids deux mesures et cette toujours intimidation en fait des militantes et des militants qui viennent là pour porter un message de paix et de justice. Est-ce qu'on peut le faire sans avoir toujours une présence policière qui laisse entendre que nous serions dangereux pour la République? Ce qui est dangereux pour les valeurs et les principes de la République, c'est d'être mou à l'égard de régimes qui maltraitent à ce point, encore une fois, qui est un point génocidaire vis-à-vis des Palestiniens et qui n'est pas capable de taper du poing sur la table correctement pour faire entendre un message de paix. Il faut entendre les voix de ceux qui veulent le cessez-le-feu, la libération des otages, les solutions politiques, le respect du droit international, que cesse le carnage qui se déroule actuellement à Gaza, plus de 43 000 morts, ça a été pointé, 100 000 blessés sans doute, des enfants, une destruction et un cycle de violence qui n'apportera rien de bon pour des décennies dans la région. Ça doit cesser. Ce soir, le rassemblement qui s'inscrit dans la continuité de beaucoup d'autres. Il y a la venue d'un ministre, un des plus d'extrême droite d'un gouvernement qu'il est déjà, un ministre fasciste. Et je crois que tous les humanistes de France, français, doivent faire entendre la voix, que cet homme passe par les idées qu'il porte. N'est pas le bienvenu parce qu'il participe à la continuité de la violence. On veut le cessez-le-feu, comme le disent les gens derrière moi. Il faut le respect de deux États, évidemment. Et il faut de la politique. Il faut que les humanistes se fassent entendre. Voilà, c'est l'objet de ce rassemblement. Interdit, je ne sais pas pourquoi. Bah, je le constate, je ne le comprends pas. Je pense que c'est un rassemblement de femmes et d'hommes pacifiques et que les voix, ce qui est porté ici, est tout à fait légitime, juste et conforme à l'idée qu'on se fait de la République. Donc je ne comprends pas pourquoi là on est déplacé de la sorte. Bon, c'est ainsi. Ça en dit long peut-être sur... Enfin, je ne comprends pas, je ne veux pas commenter, mais je le désapprouve fermement. Maintenant,
Vous pouvez parler un peu plus fort. Quel est le sens de votre mobilisation aujourd'hui, ce soir, aux côtés de nombreuses autres associations comme Golem? Le sens de cette mobilisation, c'est de dire non au racisme et à l'obstacle à la paix que représente M. Smotrich, qui était prévenu pour venir à un rassemblement, organisé d'ailleurs par un groupe lui-même très extrémiste. On sait que M. Smotrich, depuis des mois, appelle à l'épuration ethnique à Gaza. Il y a quelques jours, appelé à l'annexion de la Cisjordanie. Et globalement, une personne qui appelle à la mise en place d'ailleurs d'une théocratie en Israël, au détriment notamment de toute une série de groupes, que ce soit les Palestiniens, les Arabes israéliens, évidemment les femmes, les homosexuels. Et donc on ne peut pas accepter qu'une personne vienne sur le territoire français pour déployer une logique de haine dont on sait que là-bas, elle entraîne dans l'enfer et les populations israéliennes et les populations palestiniennes. Donc c'est le but de ce rassemblement, de ne pas laisser des personnes qui tiennent des propos racistes et qui essayent de faire partager leur vision raciste de la société et du monde venir en toute impunité s'exprimer. Un gala tel que celui-ci ne devrait pas pouvoir se tenir, selon vous, en France? Nous avions demandé aux autorités qu'il y ait une interdiction de cette réunion. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et donc nous avons donc fait ce rassemblement. Ça a quand même produit quelque chose, c'est que M. Smotrich ne vient pas physiquement, mais peut-être qu'il va s'exprimer par Zoom, d'une autre façon, il pourra quand même tenir ses propos. Mais nous sommes effectivement quelque peu étonnés que l'on puisse laisser une personne dont on sait que chacune de ses sorties est une sortie qui vise à promouvoir la haine, qu'une telle personne aurait pu peut-être venir sur le territoire français pour tenir ses propos haineux. En Grande-Bretagne, le Premier ministre a tapé du poing sur la table par rapport à M. Smotrich en lui faisant comprendre qu'il était de fait persona non grata en Grande-Bretagne. Je pense que la France s'honorerait à aussi mettre des lignes rouges très claires sur ce qui est acceptable comme propos tenus sur notre territoire. Au-delà de M. Smotrich, est-ce qu'un tel gala n'a pas sa place au-delà du personnage sulfureux qu'il représente? Est-ce qu'un tel gala ne doit pas avoir lieu, selon vous? Écoutez, là on est sur des questions de droit. La question est de savoir, est-ce que lorsque vous vous réunissez, il peut y avoir une forme de publicité à ce que vous dites, ou est-ce qu'on est dans un cadre qui resterait relativement privé? À partir du moment, de toute façon, où il y avait la présence d'un personnage comme M. Smotrich, ça cessait de fait d'être une réunion que certains auraient pu faire passer comme une réunion strictement privée. Et donc là, c'est quand même la présence de M. Smotrich qui justifiait, d'autant plus que cette réunion ne pouvait qu'être, de notre point de vue, un trouble à l'ordre public. Maintenant, évidemment, le fait qu'il y ait des groupes, qui de fait sont des groupes qui sont structurés par une vision d'extrême droite, telle que Israel is forever, en soi, est un problème, parce que nous aimerions évidemment que, quelles que soient les circonstances, il n'y ait pas d'expression de vision d'extrême droite, dont on sait qu'elles sont des visions de confrontation et de dénégation des droits à tel ou tel groupe dans la société. Merci beaucoup. C'est important de manifester parce que lorsqu'il y a des personnages qui viennent pour essayer de développer une logique de haine, une logique raciste, de la faire partager partout où ils passent, il est important que celles et ceux qui sont animés d'une logique antiraciste, eh bien, disent non, ça n'est pas normal. Je pense que le pire, lorsque l'on est face à des rassemblements dans lesquels on sait que des paroles racistes vont être tenues, quelle que soit la façon dont elles sont enrobées, eh bien, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il n'y ait plus personne pour s'en indigner. Au-delà, on sait aussi que M. Smotrich est évidemment contre la paix et contre une solution politique au Proche-Orient. Et nous venons aussi contester cette façon de considérer qu'il faudrait
devrait administrer aux Palestiniens une guerre sans fin, qui devrait, si elle devait avoir une fin, se terminer de fait par une forme d'épuration ethnique de Gaza et par la dégradation des droits des Palestiniens sur l'ensemble du territoire israélien ou cisjordanien. Les otages. Alors j'ai pas compris. Ouais, attends, bien. Je parlais plus fort parce que c'est compliqué là en fait. Ah, le gala et les participants sont un problème, mais il y a une cohérence entre les deux. Ce gala est un gala qui est le réceptacle d'une vision très haineuse, qui est traversée par des questions de racisme et d'une logique totalement guerrière et meurtrière dont on voit ce qu'elle produit aujourd'hui vis-à-vis des populations civiles gazaouies et même au-delà, et dont malheureusement on peut craindre qu'elle entraîne par la suite des logiques de haine, des logiques de vengeance, des logiques de rancœur qui rendent encore plus compliqué le fait de trouver une solution politique dans laquelle les deux peuples qui vivent là-bas pourraient chacun avoir un État pour pouvoir s'épanouir et enfin vivre, j'allais dire, normalement avec un État d'Israël reconnu universellement et un État palestinien permettant aux Palestiniens de enfin pouvoir prendre leur destinée entre leurs mains. Normal, au sens de c'est la norme, oui. Au sens de c'est juste, non. Sur la voie publique, non ? Non, vous êtes pas vous êtes bien sûr autorisé d'aller sur la voie publique quand vous êtes seul, mais là vous participez clairement à une manifestation interdite. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait venir ici ? Non, on vous a déplacé ici, mais on vous a pas dit que la manifestation est autorisée. Et ça, vous le savez, si vous êtes en... De toute façon, voilà. Non, j'ai déjà participé à plein de manifestations qui étaient... qui n'avaient pas une autorisation. Il y a une jurisprudence. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on fait quand même notre travail et puis on ne va pas faire n'importe quoi. Je ne remets pas en cause vous. Donc les collègues vont vous verbaliser. Je ne comprends pas très bien. Écoutez, vous faites la verbalisation et puis après vous pourrez contester. Mais pour l'instant, les collègues vont vous verbaliser. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur. Mais quoi, monsieur ? Oui, merci. Je ne vais pas m'opposer, vous inquiétez pas. Non, merci à vous. Raisonnable. C'est pas raisonnable. On est contact avec vous. J'appelle le préfet. Moi, non, mais vous allez. Voilà. Et on n'est pas dans une manifestation. La criminalisation de je vous en informe, monsieur. Ah, maintenant, vous pouvez pas m'en informer. Puisque on nous a dit que vous ne pouvez pas aller à Mioche. On n'est pas à Mioche. Vous nous avez demandé de venir à Wagram. On vous a suivi. Okay. Maintenant, votre manifestation ici n'est pas déclarée. Vous n'avez pas fait le nécessaire. Mais si, on l'a déclaré. Ben, prenez contact avec ceux qui vous ont donné les autorisations, monsieur. D'accord. Mais là, vous nous dites quelque chose de nouveau. Ah ben écoutez, moi je transmets les ordres qui me sont donnés. Allez, les... Pardon madame, je peux savoir qui c'est qui donne les ordres, hein ? C'est le préfet qui demande de verbaliser tous les gens qui sont là. Écoutez monsieur, les députés, vous êtes députés. Mais les rassemblements ne sont pas interdits dans ce pays, on ne verbalise pas les gens parce qu'il y a des... Ça peut pas être comme ça. Vous devez connaître la loi aussi bien que moi, monsieur. Précisément, les rassemblements ne sont pas interdits, les gens sont là, sur un trottoir, ils ne dérangent personne. On n'est pas sur la voie publique, on ne bloque pas la circulation. Madame, voilà. Suivez-nous. Elle n'a pas été autorisée, elle n'a pas été interdite. Avant, elle a été interdite. C'est la meilleure. Madame, on va pas se dire ça. Ouais. C'est
Vous inquiétez pas. Vous verbalisez et après vous êtes dispersé. Et c'est quoi le motif de la verbalisation? C'est manifestation interdite sur la voie publique. Et c'est lié au l'arrêté de l'interdiction? Alors c'est pas dans ce sens-là. Une manifestation, déjà vous devez la déclarer, vous devez avoir une autorisation. Après, vous avez quelque chose à nous présenter? Vous avez quelque chose à présenter aux autorités? On a des mails, il a été déclaré. Attends. Bah oui, mais... On a reçu un arrêté d'interdiction partielle. Est-ce qu'elle est interdite? Elle n'est pas interdite, c'est un arrêté d'interdiction. Non, mais je crois. Bonjour madame, je suis bonjour, parlementaire. Allez, vous êtes un Jérôme élu de plus? Je suis monsieur Gage, ok. Comme vous pouvez le voir, je crois que ça se passe de manière très calme. Et moi, j'ai pris le soin de vérifier auprès des organisateurs que la manifestation avait été déclarée. Donc, je pense qu'ils vont vous présenter. À ce moment-là, prenez contact avec les personnes que vous avez eues. Ouais. Moi, on m'envoie sur place. Je comprends parfaitement. Non, mais je comprends parfaitement. Et ça se passe bien si de notre côté, comme je sais. C'est pour ça. Non, mais si on peut juste lever pour éviter que les gens soient verbalisés. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Faites-le remonter et puis ça reviendra. On vient d'appeler Laurent Nunez et on va juste faire en sorte que l'information arrive. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jonas du collectif Golem. Là, les policiers sont en train de prendre des gens pour les verbaliser un par un. C'est ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, on reste ensemble. On est en train de voir avec la préfecture pour que personne ne soit verbalisé et qu'on rentre tous chez nous, toutes et tous chez nous calmement. N'hésitez pas à demander un motif quand ils vous verbalisent et revenez vers nous et vers les personnes du collectif Golem, si vous avez été verbalisé, pour nous donner vos noms et vos prénoms. Et évidemment, on donnera des suites à ça. Ils ne peuvent pas vous verbaliser comme ça. Et il y a des avocats qui sont là. C'est illégal. Parce que la manifestation n'avait pas été interdite. Et vous pouvez demander le petit arrêté d'interdiction. Ils ne l'ont pas. Donc voilà. Donc, restez calme. Ça va bien se passer. On discute. Cessez-le-feu, maintenant, deux États, maintenant, cessez-le-feu, maintenant, deux États, maintenant, cessez-le-feu. Voilà, ils sont en train de verbaliser les manifestants un par un, et donc on va voir avec les abalages qu'on faire et avec les députés présents ce qu'on peut faire. Non mais c'est juste, c'est pas pour verbaliser. Non, c'est un contrôle d'identité. On n'a pas parlé de verbaliser. Monsieur, passez sur le côté. On prend le monsieur et on va aller à droite. Monsieur, vous attendez, pardon, on peut parler la manifestation. Monsieur, je m'adresse à vous. Vous voulez me parler, s'il vous plaît? Monsieur, vous n'interpellez pas le monsieur. Attendez, reste avec vous. Attendez, ça se passe pas comme ça. Madame, s'il vous plaît. Madame, ça se passe pas comme ça. Je suis le représentant de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. C'est très bien. J'ai avec moi des gens qui assurent ma protection. C'est très bien. Donc je demande que les gens qui assurent ma protection puissent se déplacer en permanence avec moi. C'est très bien, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, mais moi je vous connais pas. Vous faites pas partie de la police nationale. Madame, je me présente. Donc jusqu'à preuve du contraire, moi aussi je vais me présenter, d'accord, je suis le capitaine Foucault de la Brave Mike. Enchanté. Donc jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où vous êtes sur la voie publique, toute personne doit avoir une pièce d'identité. Mais nous l'avons, mais je demande à vos collègues de me laisser passer avec ma protection personnelle. Non, mais moi, monsieur, je ne vous connais pas. Votre protection personnelle, je ne la connais pas. Monsieur Christian Piquet, de la direction. Madame, votre pièce, c'est qu'après, ils ne pourront pas rentrer dans la manifestation, c'est illégal. Elle est soumise aux mêmes lois françaises. Oui, mais il m'accompagne. D'accord. Il m'accompagne. Et bien, il présente une pièce d'identité. Mais oui, madame la capitaine, s'il vous plaît, la manifestation va être dissoute dans quelques instants. On est d'accord, c'est l'objectif. D'accord, juste un instant, s'il vous plaît. Vous vouliez qu'on
contrôler qui, monsieur ? Ce monsieur-là. Donc ce monsieur va présenter une pièce d'identité. Oui, mais alors, vous êtes dans la même avec une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Non, vous venez avec une pièce d'identité. Reprenez le sujet. Ça sert à rien, cette provocation, madame. Monsieur, vous n'êtes pas mon hiérarque, d'accord ? Vous n'êtes pas mon supérieur hiérarque. Non, 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 mais je vous donc, jusqu'à preuve du contraire, monsieur. Moi aussi. Et bien, justement, monsieur. Et moi, je vous demande, comme tout citoyen, de vous soumettre à la loi française. Donc, ce monsieur-là va présenter une pièce d'identité. Mais il vous présentera. Présentez-la, s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr, tout de suite. Il n'a pas besoin d'être interpellé. Il n'a pas besoin d'être interpellé. Nous ne parlons pas d'interpellation. Vous vouliez le sortir de la messieurs, moi, ce que je veux, c'est que ça se passe bien. Nous ne faisons pas votre travail. Vous ne faites pas le nôtre. Oui, mais moi, j'ai un point de vue sur votre travail. J'ai le droit de le donner. Je pense que la manifestation est en train de se dissoudre. Et la manière dont vous faites les choses. Monsieur, je vous remercie de nous avoir donné votre pièce d'identité. Je vais vous demander uniquement, parce qu'il y a trop de monde, de vous entretenir avec mon collègue, d'accord ? Ça ne regarde personne d'autre, le contrôle de votre identité. Madame Garotti, c'est vous qui pourra revenir dans la manifestation ou pas ? Allez-y. Non ? Bonjour, monsieur. Voilà. Madame, madame, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Madame le capitaine, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Madame le capitaine, s'il vous plaît. Donc vous, madame la capitaine, vous avez, madame, s'il vous plaît, pour que ça se passe bien. Maintenant, je vais vous demander de vous écarter. On n'a pas besoin d'être tous là, les uns sur les autres. Non, bien sûr, on est d'accord. La même façon que on veut que ça se passe bien. Vous avez demandé, à ce que la manifestation soit dissoute. Est-ce que vous l'avez demandé formellement? Non, mais monsieur. Je vous pose la question, non, vraiment. Non, non. Déjà, moi, j'ai informé les participants qu'ils allaient être verbalisés. D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'après, donc, ils étaient invités à quitter les lieux. Donc, la dissolution va avoir lieu. Et qu'ils étaient invités à quitter les lieux. Voilà. La dissolution va avoir lieu. La dissolution va avoir lieu. Je pense que vous pouvez attendre une minute le temps que le mot d'ordre passe. Et pas cette espèce de situation. On ne comprend pas pourquoi les gens sont sortis de la manifestation. Pourquoi certains sont choisis, certains vont être verbalisés. Si vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne sont pas sortis de la manifestation, écoutez ce qu'on vous dit, d'accord, avant d'interpréter. Donc, j'ai informé tout le monde tout à l'heure qu'ils allaient être verbalisés. Étant donné que ça ne concerne pas tout le monde, on prend les gens très poliment, on leur demande leur pièce d'identité, on les verbalise et on les invite à donc partir. Donc vous les verbalisez. Voilà. Mais sur quel moi, je vous ai vu, madame, demander la manifestation de se déplacer et de venir là. C'est à votre demande que nous sommes venus là. C'est à votre demande que nous sommes venus là, madame. Je vous ai vu. Oui, monsieur. Donc vous avez demandé à des gens de venir ici, puis une fois qu'ils sont là, un après l'autre, vous les verbalisez. Mais je pense que ce n'est pas de la bonne police, madame. Je suis étonné de cette technique. Je ne comprends pas. Non, monsieur, maintenant, si l'objectif, si l'objectif, c'est que la manifestation se... Je n'ai pas parlé des pratiques policières avec vous. Oh là 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 là. Laissez-le tranquille. Absolument rien. D'accord, donc comme vous n'avez rien fait, laissez-le tranquille. On ne s'embête pas. Quelle est la nécessité, quel est le motif? Les personnes qui ont compris qu'elles allaient être verbalisées, elles nous suivent. Sur quel critère? Les récalcitrants, on s'occupera de vous. Sur quel critère vous verbalisez? Sur quel critère vous verbalisez? Manifestation interdite. Arrêtez d'interdiction. C'était pas été interdite. Demandez à vos organisateurs. Vous n'avez pas l'arrêté d'interdiction. Et si. Vous pouvez nous présenter l'arrêté d'interdiction, madame? Voilà. Ben vous, celui qui a été autorisé? Je l'ai demandé, rassurez-vous. Bah, je veux bien. Merci. Avoir. Avant d'être verbalisé, je veux bien avoir pourquoi on est verbalisé. De toute façon, personne n'a demandé. De toute façon, il n'y a pas d'interdiction. Madame le capitaine, la dissolution va avoir lieu, que les esprits se calment.